Ould Salihi, directeur de publication du journal de Tahalil. Voilà. Donc, concernant Daesh, l'État islamique d'Irak, pour le moment, la menace se concentre principalement sur la Syrie et l'Irak parce qu'ils occupent de larges pans de ces deux territoires. L'annonce de l'État islamique n'a pas eu de soutien dans le monde musulman. Les principaux ulidis ont dénoncé sa naissance, même des ulidis salafistes. Al-Maqdisi, par exemple, Al-Qardawi aussi a dénoncé. Tout récemment, en Mauritanie, Dadaou, le grand ulidi Dadaou, a dit que l'État islamique d'Irak n'a aucune valeur. Donc, ses conséquences au niveau du monde musulman sont pour le moment limitées. Mais il n'empêche qu'il exerce un effet dévastateur sur l'Irak et la Syrie et qu'il s'illustre par sa cruauté par rapport à tous les mouvements djihadistes que nous connaissons jusque-là. Il s'en prend même aux mouvements djihadistes avant de s'en prendre aux minorités kurdes et chrétiennes. Il s'en prend même aux salafistes. Donc, c'est un mouvement qui est très violent, dont le danger pour le moment se confine à l'Irak et à la Syrie. Au niveau de l'Afrique, nous avons déjà noté plusieurs réactions. La première réaction, c'est celle de El Hassimi, qui est l'un des cadis de Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui avait exprimé sa solidarité avec l'État islamique en Irak fin janvier. Nous avons ici aussi une deuxième réaction émanant de Hamada Mohamed Khelou, qui est l'un des dirigeants du Mijaou, du mouvement Unicité Jihad en Afrique de l'Ouest, qui lui aussi s'est dit solidaire et a souhaité la bienvenue à l'État islamique. Nous avons aussi eu la réaction d'Aboubacar Chekaou, qui est le chef du Boko Haram, qui a présenté ses salutations et ses félicitations à ce qu'il appelle l'émir al-Baghdadi. Mais tous ces dirigeants-là, au niveau du djihadisme en Afrique, n'ont pas prêté allégeance. Donc, il y a un effet de solidarité au nom de la convergence idéologique, de la similitude des méthodes, mais il n'y a pas d'allégeance des mouvements djihadistes dans le monde, à l'État islamique d'Irak.